Pour moi, il s'agit d'une langue qui est très belle, très utile et très intéressante. C'est une langue qui est liée à des autres choses, comme par exemple une architecture très belle, une culture très riche et très intéressante, une histoire qui est aussi très riche et très intéressante. Moi, j'aime aussi la littérature française, notamment la littérature du 19e et du 20e siècle. Mon romancier préféré, donc l'auteur préféré, c'est Stendhal. Et mon roman préféré de ce auteur est Le Rouge et le Noir. Et c'est le roman sur qui je suis en train de d'écrire ma dissertation. Et j'ai eu la possibilité de passer quelques mois en France comme étudiante Erasmus. Donc j'ai étudié à Nancy. Et j'ai eu aussi la possibilité de voyager beaucoup à travers de la France. Donc, par exemple, bien, j'ai déjà mentionné Nancy et Strasbourg et Metz, Bordeaux, Paris, Versailles. Versailles m'a plu beaucoup à cause du ch célèbre château que tout le monde connaît. Et c'était très 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 intéressante d'avoir le français dans la vie quotidienne et de l'écouter chaque jour et de parler avec les gens. Et oui, et voilà. Donc ce sont mes raisons pourquoi j'ai choisi la langue française et pourquoi je trouve que c'est une langue très très utile et très intéressante à savoir. Et c'est ça, je l'aime bien.